I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Salut tout le monde, on est jeudi aujourd'hui, on est jeudi matin, il est presque 9h, donc là on va démarrer pour la salle de sport. Donc voilà, petit cardio ce matin avec le petit déjeuner. Et ici, ben, j'ai validé la première étape d'un projet sur lequel je travaille depuis quelques semaines, quelques mois. Donc là, on va aller à la salle de sport. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec ma copine qui fait aussi du fitness. Donc ici, pour moi, ce sera entraînement dos, biceps et un peu de tapis comme d'habitude. Et ensuite, le programme de la journée, ben, j'irai en consulte l'après-midi. Donc au niveau du repas, on ne va pas trop se prendre la tête. Il y a encore des restes par rapport au dernier jour. Donc il y aura encore un peu de salade de pâte froide avec du thon. Donc ça, on va peut-être le prendre à emporter. Et il y a encore le riz, rappelez-vous, avec un petit peu de viande hachée, etc. Donc je vais recuisiner à mon avis un ou deux légumes, rajouter peut-être un petit peu de charcuterie maigre ou un petit peu de poisson. On verra un petit peu. Et puis je passe l'après-midi au cabinet, donc le soir je mangerai là-bas aussi. Et donc ce sera facile aussi encore une fois à emporter. Donc ça c'est vrai que je vous le conseille, niveau organisation et pratique, ben, essayez de préparer un petit peu plus les jours d'avant. Nous on est deux, donc c'est vrai qu'on cuisine pas systématiquement non plus. Mais une fois qu'on cuisine, c'est vrai qu'on cuisine quand même un petit peu plus. Comme ça pour les jours d'après, ben, on a toujours un petit féculent sous la main, ou un petit légume, ou un petit peu de protéines. Et puis on assemble un petit peu avec ce qui reste dans le frigo. Donc ici je sais que j'ai plein de légumes, que j'ai encore des féculents, que j'ai encore des protéines. Donc le tout c'est de faire un petit méli-mélo et garder toujours l'assiette un petit peu équilibrée. Donc beaucoup de légumes, un quart féculent et puis un quart viande volaille, poisson, œufs. Ah, on vient de revenir de la salle de sport. J'ai fait le petit shaker de prot. Que dirais-je, il y a du monde aujourd'hui plus tard. Bah, évidemment, il y a beaucoup plus de monde hein, vers 9-10 heures. Mais voilà, ça a été cool quand même. Bonne séance, mais quand même dur à la fin. Le tapis de course, bah, c'est vrai que c'est quand même dur. Hein. Les intervalles comme ça. Donc il y a des jours comme ça où c'est un peu plus dur, mais justement ces jours-là, je pense où il faut pas lâcher. Parce que franchement, tout le long du tapis, je me suis dit, mais stop, parce que ça allait pas, j'avais chaud, c'était dur et tout. Puis au final, quand j'ai fini le temps, ben, pas juste le temps de se mettre un petit peu dedans. Et puis il faut se dire aussi que si tu prends l'habitude justement d'abandonner quand c'est un petit peu dur par rapport au sport, ou même par rapport aux autres domaines, mais non, c'est pas pour parler de tout ça, mais quand c'est le sport en tout cas, toujours aller jusqu'à la dernière répétition, toujours aller jusqu'à la dernière minute d'effort, et après c'est comme ça que tu te sens confiant et satisfait de ce que tu fais quoi, et c'est comme ça que tu progresses aussi. Donc voilà, maintenant je suis bien, ça m'a fait du bien. Petite douche maintenant, un peu de boulot et puis consultation. Ici c'était aussi le premier jour de ma copine dans cette salle là, donc elle l'a validé. C'est vrai que d'habitude on faisait toujours 20 minutes de trajet, et mine de rien c'est vrai que ça facilite quand même la vie hein, d'avoir une salle près de chez soi, donc on a vraiment de la chance à ce niveau là.
ça prend 5 minutes et au final on est vite revenu, donc juste le temps d'avoir fait notre entraînement. Donc c'est vrai que maintenant, dès qu'on a un petit creux dans la journée, que ce soit le week-end ou en semaine, c'est beaucoup plus facile à caser. Donc c'est vrai que par rapport à l'organisation au niveau du sport, que ce soit une activité de groupe, une activité individuelle en salle de sport ou en plein air, etc., essayez toujours d'être près de chez vous. C'est vrai que sinon c'est toujours une friction en plus au démarrage de se dire ben, j'ai encore 20-30 minutes de trajet avant d'arriver au sport. Enfin, et parfois en semaine, ben, évidemment il y a des imprévus parfois qui arrivent pendant la journée, pendant la soirée, et c'est là justement où on loupe des séances, quoi. Donc facilitez-vous la vie, essayez vraiment d'aller à la plus proche de chez vous au niveau de la salle de sport, au niveau du club de sport que vous avez. Ou alors en plein air, faites ça autour de chez vous, quoi. Comme ça, ça vous facilitera beaucoup la tâche au démarrage en tout cas. Alors on se retrouve en cuisine. Donc comme je vous avais dit, il reste pas mal de choses hein, des derniers jours. Donc ici, vu que je sais que j'aurai pas l'occasion de cuisiner ce soir, je vais prendre des pâtes. Donc j'ai des pâtes classiques ici, avec rien dedans, juste des pâtes complètes. Je vais mettre un petit peu de filet de poulet, un petit œuf dedans et un petit légume en plus. Donc un menu, ce sera des champignons. Et pour ce midi, ce que je vais faire, je vais manger le riz qu'on avait déjà mangé hier ou avant-hier, je sais plus. Je vais rajouter un petit peu de chicon cru parce que j'en avais encore ici dans le frigo. Et je vais rajouter un petit peu de jambon dedans, comme ça voilà, ça me fait toujours un peu de prot, des féculents et des légumes. Et ici on a aussi encore une salade de thon, enfin des pâtes froides au thon, mais ça c'est ma copine qui va les manger. Donc comme ça voilà, ici ben, s'il n'y avait pas eu de féculents, ben, j'aurais pris une tranche de pain. Mais le but c'est toujours, voilà, faites au plus efficace entre guillemets. Essayez toujours d'avoir chaque groupe d'aliments dans chaque assiette et vous verrez que ça ira tout seul. Ne vous compliquez pas la tâche. Moi c'est vrai que par exemple ça ne me dérange pas de manger deux fois ou trois fois par semaine la même chose, tant que c'est rapide, efficace, et puis le week-end ben, on prend un peu plus de temps pour nos repas, quoi. Mais c'est vrai que la semaine on court un peu, du coup ben, toujours plus pratique de cuisiner un peu les mêmes aliments qu'on connaît bien et qu'on sait qu'on apprécie, quoi. Donc voilà nos menus pour ce midi. C'est vrai qu'on a repris un petit peu tous les restes du frigo, donc ça c'est assez de ma copine, donc concombre, tomates, pêche, pâte complète et un petit peu de thon, donc le reste d'hier. Et moi j'ai repris le riz qu'on avait consommé, j'ai rajouté un peu de charcuterie, donc j'ai mis filet de poulet et jambon dégraissé, et j'ai mis un peu de chicon cru qui me restait un petit peu. Donc voilà, moi je fais toujours un petit peu avec les restes du frigo, j'essaie toujours de mélanger. Ça n'a pas l'air super bon comme ça mon assiette, mais ça va être super bon. Bon appétit. Au final c'était pas trop mal la petite assiette de ce midi, franchement c'était bon. Ici je m'attaque un petit peu au repas du soir, comme ça je peux l'emporter direct quand je vais en consultation. Hop, je vous montre tout de suite. Donc là j'ai mis cuire, je vais mettre un petit peu moins fort. J'ai mis cuire tomates, champignons, filet de poulet, quelques petites herbes aromatiques et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je rajouterai un petit peu de pâte à la fin et ici je vais rajouter un petit peu de lait. Ça c'est pas trop sec entre guillemets, comme ça met comme si c'était un petit peu de crème, mais voilà, le lait c'est encore light on va dire comme crème, mais c'est juste pour humidifier un petit peu le mélange. J'aurais peut-être dû un petit peu mettre moins fort. Et ensuite j'ai laissé ça refroidir tranquillement, je continuerai de bosser un petit peu et quand c'est bien frais je mettrai un petit peu de salade et comme ça on sera ok pour ce soir aussi. Donc voilà, je continue ma petite préparation et puis on partira au cabinet. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai rajouté maintenant les œufs. Sans les mains, j'avais oublié quelque chose à la préparation. Donc ça fait en fait comme une grosse omelette. Et puis elle va refroidir tranquillement et puis je pourrais mettre les pâtes et un petit peu de salade. Donc voilà, mélange facile à faire. C'est un diète avec légumes, les protes, hein, donc un petit peu de charcuterie et deux œufs. Les œufs, je prends toujours les Columbus ici, qui sont bio aussi, donc les Columbus qui sont enrichis en oméga 3, donc un acide gras essentiel pour l'organisme. Donc on essaie d'en insérer un petit peu tout le temps, hein, de l'oméga 3 dans son alimentation. Donc c'est les œufs riches en oméga 3 comme ici. Ça peut être aussi le poisson gras, saumon, maquereau, hareng, ce genre de choses. Ça peut être aussi l'huile de colza, l'huile de lin, etc. Maintenant elle est très sensible à la chaleur, donc utilisez toujours une huile riche en oméga 3 pour les préparations qui sont plus froides. Et ici pour la cuisson, toujours préférer l'huile d'olive classique, hein. Donc essayez de prendre une bouteille noire effectivement pour une bouteille plus sombre pour la protéger encore une fois de la lumière, mais c'est toujours le meilleur deal entre guillemets pour les cuissons, donc riche en oméga 9, ce qui est toujours un petit peu plus stable on va dire que les oméga 3 à la chaleur. Et donc ici voilà, vous avez une petite omelette classique. Je vais laisser refroidir ça tranquillement. J'attends encore deux petites minutes que les légumes soient bien ramollis entre guillemets.
Et puis j'intégrerai les pâtes ici. Et puis on sera ok pour l'alimentation de ce soir. Donc là je me remets tranquille au travail. Et le petit rituel d'après repas, le café, hops, et la petite mignonnette de chocolat noir. Ça, j'avoue que je ne sais plus faire sans, donc tous les jours je prends une petite mignonnette. Et puis ça me donne un peu de force pour me reconcentrer, pour relire un petit peu tout ça. Le bruit que vous entendez, c'est le ventilo, hein. Il est indispensable pour le moment dans l'appart, vu qu'il fait super chaud dehors. Et du coup voilà, on rebosse un petit peu et puis on partira au cabinet. Donc on est en direct du cabinet. Ici, ce que je prends souvent entre deux consultations, je prends un truc qui est encore facile à emporter, hein, par rapport à la maison. Ce que j'ai pris aujourd'hui, c'est un petit CCML Light, donc moins sucré. Donc on est ici à 4,8 grammes de sucre par 100 ml. Et c'est des petits flacons de 200 ml, donc c'est vraiment pas grand chose. Un petit peu de protéines aussi. Et à côté, si j'arrive à ouvrir, hop, c'est des fruits oléagineux. Aujourd'hui j'ai pris des noix, donc des noix qui sont riches en oméga 3, riches en fibres alimentaires, etc. Donc les fruits oléagineux, généralement j'en prends une fois par jour, une petite poignée, et ça m'aide justement pour tenir jusqu'au soir. Donc voilà, un petit goûter avec un petit peu de protéines, un petit peu de glucides et des bons lipides liés justement aux noix. Alors deuxième pause de l'après-midi, hein. Déjà le souper pour moi, il est 6h-10, mais j'ai encore pas mal de patients après, donc je n'aurai pas le temps de souper. Et ensuite, enfin, par la suite, je vais y arriver. Donc ici, ben, je vous avais dit, hein, le petit dîner que je m'étais fait. Donc on part sur des pâtes complètes. Voilà, le focus est fait. Pâtes complètes avec filet de poulet, des œufs, des champignons et des tomates. Je pensais rajouter de la salade, mais j'ai complètement zappé. Donc au final, ce sera juste avec ces légumes-là. Et ensuite, ben, je crois que je ne mangerai plus rien de la journée. Donc voilà, on verra un petit peu. J'entrerai à mon avis un petit peu plus tard aujourd'hui. Et donc on verra si j'ai encore faim, mais je pense pas. Donc si j'ai encore faim, je prendrai peut-être un yaourt ou ce genre de choses. Yaourt toujours protéiné, hein. Vous savez bien que c'est mon petit plaisir en termes de collation. Et donc voilà, après ce sera cette journée qui s'achèvera. Et demain, dernier jour de la semaine, donc vendredi, séance de muscu un petit peu plus tard le matin parce que je dois vite aller faire un trajet tôt. Et ensuite, bah, il y aura les consultes et il y aura le repas. Je sais qu'il y a un resto demain soir, donc ça bloquera un petit peu, mais encore une fois, garde en tête que la prise ou la perte de poids n'est jamais la conséquence d'un acte isolé, hein, donc c'est toujours cette question d'équilibre, etc. Moi, c'est vrai que je me fais assez fort plaisir. Maintenant, encore une fois, c'est mon métabolisme, je me connais assez bien aussi. C'est vrai que moi, j'ai tendance à serrer un petit peu plus la vis la semaine et puis le week-end me faire un peu plus plaisir. Maintenant, c'est parce que je me connais niveau alimentation et je suis dans une phase aussi où je veux juste stabiliser, je veux plus vraiment reperdre du poids. Mais effectivement, quand on veut vraiment perdre du poids assez rapidement, ben, faudra parfois faire des petits efforts en plus, c'est-à-dire ben, sacrifier quelques petits repas triches entre guillemets du week-end. Mais encore une fois, le tout c'est de ne pas se frustrer et de perdre du poids naturellement et progressivement et surtout durablement.